circuler, s'il te plaît. C'est la question de l'identité, c'est la question de comment on fait pour grandir pour, sous un père qui est toxique, sous l'influence d'un père qui est, dont on ne peut pas se revendiquer, dont on doit faire, finalement c'est un deuil impossible. Il doit faire le deuil d'un père qui est vivant, il ne doit pas le voir, et il doit nier une partie de son identité en quelque sorte, puisqu'on est quand même le fils de notre père et de notre mère, et donc il nie une partie de ce qu'il est. Et comment est-ce qu'on peut demander à un enfant de nier une partie de ce qu'il est? Et ça, je trouvais ça important d'en parler. C'est ça. Au départ, le thème, c'est celui-là. Puis forcément, dans l'histoire, ben, on fait partie d'un monde, d'un univers, donc on a des connaissances qui se sont trahies, comment on gère le mensonge par rapport à qui on est, etc. Et ça m'a permis de développer tous ces thèmes, ouais, vraiment. Je les ai gardés parce que je voulais que tu les lises. Mais plus tard, tu seras en mesure de comprendre certaines choses. Je suis allé à la rencontre d'enfants détenus, d'enfants de pédophiles, de détenus eux-mêmes, de psychologues de prison. J'ai fait un gros travail documentaire. Des gens m'ont fait confiance, vraiment, m'ont confié des documents, un journal intime, des choses comme ça, qui est écrit pendant la détention d'un papa ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pu vivre presque de l'intérieur, sans copier évidemment ce qui était, mais j'ai vécu de l'intérieur, grâce à cette documentation, grâce à cette confiance qui m'a été accordée, comment un enfant pouvait traverser une période pareille, une épreuve pareille. Tu l'as avec toi? De quoi? Le téléphone, banane. Tu peux le balancer, de toute façon, Maëva l'a fait bloquer. Franchement, tu peux le gicler. Et si je change la puce? Si ça se trouve, il a été tracé, t'aurais pu te faire choper. T'es vraiment con, tout ça pour un bête téléphone. C'est pour parler à mon père. Mais il n'a qu'à t'en acheter un. On était quasiment prêts, j'avais le casting, j'avais l'équipe, j'avais tout. Puis il y a eu le Covid, donc on a dû reporter d'une année. Au cours de cette année, évidemment, c'était des enfants. Donc j'ai dû refaire des castings d'enfants. Par chance, j'ai gardé Yanis, parce que Yanis n'avait pas trop grandi. Il avait gardé son physique un peu d'enfant. Donc j'ai pu le garder, puis je trouvais ça important de le garder parce que ça aurait été tellement dur. Il avait fait le casting 2 ans avant. Je ne pouvais pas lui dire, allez, c'est fini, quoi. Tu dégages, je reprends un autre gamin. J'ai dû le faire malheureusement pour le rôle de la petite fille. C'était très difficile parce que... Mais elle avait vraiment grandi, c'était devenue une vraie ado. C'était plus une gamine. Hein. À ces âges-là, ça bascule très, très vite. Je dirais un film de chambre. Comme la musique de chambre, c'est avec 3-4 personnages et leur rapport. Je préférerais dire ça, finalement. C'est juste simplement essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de cet enfant. Donc je n'arriverai pas à le qualifier, mais si c'est pour un programme télé, on mettra certainement drame.